J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce vlog. Je vais vous emmener pendant quelques jours, ça va être des petits morceaux filmés par-ci par-là, dans la vie de l'écho. Pour ceux qui ne savent pas du tout, il y a quasiment un an, on a lancé l'écho, donc une entreprise de communication. On accompagne les petites entreprises dans leur communication digitale. En gros, si ça vous intéresse, je vous mets le site et comme ça, vous pouvez aller voir en barre d'infos. En tout cas, il y a un an, on a lancé ça et aujourd'hui, on est le 20 août au moment où je filme ce morceau de vlog et on va signer les bureaux de l'écho. Jusqu'à maintenant, on travaillait chez nous et en fait, là, au 1er septembre, on a quelqu'un qui rentre dans l'équipe qui va être à temps plein chez nous. Donc, on va avoir besoin d'avoir des bureaux et d'être vraiment dans un truc dédié à l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on va signer nos locaux. Je me suis dit que ça pouvait être super cool de vous emmener un petit peu dans toute cette aventure. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer, mais en gros, aujourd'hui, on va signer les locaux. On va pouvoir prendre quelques mesures, etc. On ira ensuite, dans quelques jours, faire nos courses de meubles pour les locaux. Et ensuite, on va monter tout ça et mettre, aménager nos bureaux. Et vraiment, je suis trop contente. Donc, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tout ce que vous voulez qui va me motiver encore plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, mettez la cloche, tous les trucs de youtubeur quoi. Comme jamais. On est mardi, il est 23h, 23h30, je sais pas. On cherche une solution parce que tous les IKEA de France sont en rupture de stock depuis début juillet sur plein de références et notamment les bureaux et les chaises de bureau, les chaises classiques, trop de choses. Donc c'est vraiment la galère et j'ai demandé de l'aide sur Insta. L'une d'entre vous m'a... Enfin, bosse chez Ikea et a checké les stocks et m'a confirmé qu'il n'y aurait rien qu'à les revenir avant fin septembre. Donc on ne sait pas du tout comment on va gérer ça, mais voilà. Donc là, je vous tiendrai au courant, mais à la base, on avait prévu d'aller jeudi chez Ikea pour chercher tout ce qu'il nous fallait et meubler les bureaux. Au final, on ne sait pas pour le moment quelle va être notre solution, mais... La suite dans ce vlog, juste après pour vous et après une bonne nuit de sommeil pour nous parce que là on en a marre. C'est la merde les gars. On est mercredi, il doit être genre 11h30. Comment vous dire? En fait, je vais vous expliquer le plan initial. Le plan initial, c'était que demain matin, donc jeudi, on récupérait le camion de mon père. Parce que mon père a une entreprise, il a plusieurs camions dans son entreprise. On en empruntait un, bref. Donc on partait de chez mes parents avec le camion de mon père, donc en Sarthe. Ensuite, on allait à Ikea à Tours, parce que c'était le plus près de chez mes parents. On prenait tout ce dont on avait besoin. On faisait un click and collect, vous voyez. Donc on voulait réserver hier soir pour tout prendre. Ensuite, on faisait tour Angers en camion pour tout emmener à Angers, monter nos bureaux. Ensuite, on revenait chez mes parents pour rendre le camion. Et parce que demain, jeudi, ça n'a rien à voir avec ce vlog, mais on a une soirée, une fête de famille, machin, jeudi, vendredi. Enfin bref, on s'en bat les... Hein, voilà. Pourquoi il y a un tracteur qui passe? En gros, on s'est connecté sur le site d'IKEA. Rien n'était disponible. Il n'y a pas...
les bureaux. Il n'y a pas les chaises de bureau. Il n'y a pas la table qu'on est censé mettre pour manger. Il n'y a pas les chaises qui vont avec la table. Il n'y a rien, d'accord? Il y a juste des multiprises et une poubelle. Genre, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Excusez-nous, mais ça ne va pas suffire. Notre alternante arrive le 1er septembre. Ce qui est mercredi prochain. Dans une semaine. On a quelqu'un dans nos bureaux dans une semaine. On n'a rien dans nos bureaux. Il n'y a pas de meubles actuellement. Il n'y a rien. Zéro. Nada. Donc on a commencé à regarder d'autres sites. On a regardé Butte, Conforama. Voilà. On a fait tous les sites possibles. Même Amazon, même tout ce qu'on a pu. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus chères. Voilà, on va pas avoir le choix. Vous avez été plein à me dire, mais regardez Le Bon Coin ou Emmaüs ou des trucs comme ça, ou des assos et tout qui revendent. Et en fait, c'est cool, sauf que c'est très 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 rare de se retrouver avec du coup bah, tous les bureaux pareils, toutes les chaises pareilles. Et on voudrait quand même une certaine harmonie et quelque chose qui reste dans le temps. Donc, c'est compliqué. On verra, d'accord? Ce vlog, c'est une galère. Mais je vous promets qu'à la fin, il y aura des meubles dans nos bureaux et que vous verrez nos bureaux aménagés. Voilà. Bref, j'arrête de parler. Je vous retrouve plus tard quand il y a du nouveau. Ciao. Je vous reprends. On est chez Jiffy et j'ai des sacs poubelles dans les mains. Très sexy. On a trouvé du coup nos bureaux et la table pour manger et les pieds tout ça chez Leroy Merlin. Là on est chez Jiffy, on a trouvé les chaises pour manger et poubelles, toutes ces conneries là. Et ensuite on va à Conforama pour acheter les chaises de bureau. Oui c'est compliqué. Mais on va avoir des belles chaises. Je vous montre vite fait mais on a pris celle-ci. On a pris deux bleus, deux jaunes. Comme ça... c'est les couleurs de l'écho et ce sera un peu coloré et tout. Mais en vrai, je pense qu'on va réussir à avoir un truc sympa. Plus cher que ce qu'on avait prévu. Mais ça va être cool. Je vous emmène avec mes sacs poubelles. Hello! Je vous reprends en voiture. On est dans le camion. Donc comme je vous disais, on a pris une partie des trucs à Leroy Merlin, une partie à Jiffy. Au Mans, du coup, là on part en direction d'Angers. On va aller au Conforama en arrivant à Angers. Pour les chaises de bureau et du coup normalement on aura tout et ensuite on passe à la maison, on récupère les trucs, outils, machin, l'aspirateur, on mange en 2-2 ce qui sera à peu près midi et demi et on file au bureau, on monte tout, on nettoie, on met ça nickel et on rentre au monde. Voilà, belle journée en perspective et je vous emmène avec moi mais vous allez voir on va faire des trucs, ça va être plutôt canon et plus cher qu'IKEA mais sympa. Voilà. Bon, on a tout acheté, on a fait une petite pause à la maison et du coup j'en profite pour vous parler de ça, Skin Good. Je suis en partenariat, enfin là c'est un petit bout de vlog en partenariat avec eux. C'est une marque de compléments alimentaires et du coup je voulais juste vous montrer ce que je prends parce que je les avais oubliés là et je me suis dit que j'allais en prendre. C'est des petits bonbons comme ça, c'est pour les cheveux. C'est hyper bon, ça a goût de framboise, c'est vegan, fabriqué en Allemagne, sans gluten, enfin c'est vraiment pas mal. C'est pour faire pousser les cheveux, les fortifier. Et à côté, je prends ces deux trucs-là. Donc il y a celui-ci que je vais prendre là, qu'il faut prendre le matin. Celui-ci, c'est deux par jour le matin. Et c'est pareil, c'est pour les cheveux. Et j'ai celui-ci, donc le orange, qui lui est pour la peau. Et celui-là, c'est un par jour le matin. Donc comme je les avais oubliés, je vais les prendre aujourd'hui là et je vais les emmener. Voilà, je me suis dit que je pouvais vous en parler rapidement dans ce vlog. Parce que vous avez aussi un code promo qui est Alban30 et qui vous fait moins 30% sur tout le site. Donc faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Et je vous referai un retour sur Insta une fois que j'aurai fini ma cure pour vous donner mes résultats. Mais pour le moment, je suis très satisfaite. Et ça, j'ai envie de tous les bouffer. Bon, là, c'est pas des bureaux, mais it's time to couper un melon. Parce qu'il faut qu'on mange... Donc on est passé vite fait à la maison, on va manger là et comme ça, je vous vois même pas, on va manger là et comme ça, après on repart, on monte les meubles et on repart au Mans en direct. Voilà, je vais me galère. C'est tout, je coupe des melons et il y a de l'eau qui cuit, enfin du riz qui cuit à côté. Voilà, bref, je vous reprends plus tard dans les bureaux, j'ai hâte. Je vais vous montrer quelque chose. Ça fait 5 semaines que j'ai pas pu aller faire mes ongles, donc là j'y vais lundi.
J'en ai cassé un. Qui dit déménagement dit voilà mon baby boomer en ensemble. Bon, voici où on en est. Là, on va devoir y aller. Il y a 3 chaises de montée. Il en reste une à monter, qu'on viendra monter samedi. Le canapé. Là, les bureaux, ils viendront comme ça. Donc là, pour l'instant, les amis, au fond, il nous reste 2 bureaux à monter. Il nous reste une table qui va aller ici pour mettre les chaises. Et voilà. Et il nous reste évidemment les chaises de bureau. On en a monté qu'une seule. Donc, il en reste encore 3 à monter. Du coup, là, il va nous rester 2 bureaux. La table, une chaise classique et 3 chaises de bureau à monter. Voilà, on revient samedi. Là, il est 15h30. Il faut qu'on rentre parce qu'il faut qu'on rende le camion avant 17h. On se bouge, on rentre au Mans. Et je vous retrouve certainement que samedi dans ce vlog. Merci d'avoir suivi avec nous. Désolée pour cette tête. À samedi. Hola, je vous reprends dans la voiture. Pour vous, on est 2 secondes après. Pour nous, on est 2 jours plus tard. On est samedi. Et on est rentré à la maison, tout ça. Et là, on va aller au bureau pour finir de monter les meubles et tout mettre nickel. Donc là, il est 14h à peine. Et ce soir, enfin, on va arriver là-bas vers 14h. Et ce soir, tout sera nickel pour commencer à bosser là-bas lundi. J'ai hâte. Voilà. Bref, je vous emmène avec nous. C'est parti. Là, en fait, je vais juste faire pipi, mais je voulais vous montrer parce que les toilettes sont très beaux aussi. Regardez. C'est moi. Voilà. Très beaux toilettes. C'est tout. Oups. Il y avait une chaise. Ça va bien là-dedans ? Bon, je vous montre pas encore, mais c'est quasiment tout bon. Là, on va juste rendre ça un peu nickel. On a des copains qui arrivent pour leur montrer nos bureaux et inaugurer un peu. Là, je vais déplacer la voiture pour la mettre en dessous de la fenêtre. On va jeter tous les cartons, les déchets et tout par la fenêtre. Comme ça, on va pouvoir jeter tout ça à la déchetterie. Je vous prends de nos bureaux. Regardez comme c'est beau. Bon là on a tout rangé parce qu'on a des copains qui sont venus et on a inauguré les bureaux. On a eu des super cadeaux. Attendez, je vais vous montrer. On a eu un Scooby-Doo Playmobil qui est à côté du téléphone sur lequel pour le moment nous n'avons toujours pas internet. On ne sait pas pourquoi mais on va s'en occuper. Et on a eu des conneries. De la pâte à prout. Un pistolet avec des billes et la trésorerie de Lego. Bref, voilà, on a des copains rigolos et on a bu un petit coup pour fêter l'inauguration de ces bureaux. Regardez comme c'est beau. Là-bas, ce sera la place d'Arthur. Là, ce sera ma place. Et puis là, on aura
notre alternante et peut-être prochainement quelqu'un d'autre encore. Donc, trop cool. On est super contents. Là, on va aller mettre notre nom sur la boîte aux lettres. Parce que ça y est, c'est chez nous. Et puis, on va faire les derniers trucs et rentrer à la maison. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez été heureux de nous suivre dans cette aventure de bureau. Je vais vous mettre certainement des plans pour finir, mais je vous dis au revoir dans ce vlog. Et merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez kiffé. Et laissez-moi un petit commentaire, un petit truc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec quelques petits plans de fin. Bisous!